Et salut à tous, c'est Naphtaline et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Psychonauts. Et nous sommes toujours dans l'esprit de Sacha pour vaincre les je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Ça s'appelle les censeurs de l'esprit que nous avions déchaîné dans l'épisode précédent. Donc c'est parti ma foi. On va essayer de s'en sortir et on arrive dans un endroit où c'est un peu le... Rasputin, tu vois ces vannes? C'est de là que sortent les censeurs. Tire sur les vannes pour les fermer et reprendre le contrôle de cette zone. Ok, donc c'est parti. Donc là, on a une valise. Il lui faut une étiquette de sac donc marin. Donc on n'a pas l'étiquette qu'il nous faut. Ok, ça marche. Ah, bon sang. Il m'a fait peur. Waouh. Ok, on s'en sort. Le temps de se remettre un peu dans nos basques. Oui, si je puis dire. Alors, ah mince. Ennui de toile, le magasin. Ah oui, exact. On peut pas s'en servir. J'avais pas reconnu les toiles mentales. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ça dans un précédent épisode. Et on peut pour l'instant pas s'en occuper. Alors là j'ai trouvé l'étiquette du sac à main. Non, du sac marin, pardon. Donc hop, du coup on réunit les deux, l'étiquette et le sac marin. Ce qui nous fait un petit objectif d'accompli. Ce qui fait toujours plaisir. Allez hop, la petite cinématique qui va bien et qui est un peu inutile mais qui est cool. Alors ensuite on a ça là qu'il faut qu'on tape la tirelire là. Ok. Voilà. Parfait, on a réussi à l'ouvrir et on... Hop là, attention. On arrive dans les souvenirs de Sacha, pardon. Alors, la première défaite de Sacha. Alors, une fille. Une fille avec un hocher. Donc, c'est lui bébé, ok, d'accord. Ensuite, donc, ça devait être sa mère, forcément. Sa mère qui le nourrit. Sa mère qui, je sais pas, joue avec lui, j'en sais rien. Un monsieur derrière qui fait un peu peur. Sa maman qui n'a pas l'air d'aller bien. Et qui apparemment est morte. Et son papa, donc en fait le monsieur qu'on a vu ici, c'est son papa. Forcément est très triste. Et n'arrive pas à s'en remettre apparemment, ce qui est un peu normal. Donc voilà, hop là. Donc il a perdu sa mère. Mince. Le viseur a quelques soucis. Enfin quelques soucis, et pas très très pratique en fait le lock. Ce qui fait que... je loupe pas mal de tirs, ce qui est assez embêtant. Alors, là, toi, c'est fait. Alors, on continue. Donc ça, c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout. Rien à voir. Est-ce que je serais pas revenu en arrière? Non. Ça a l'air d'être bon. Alors, on a un indice. On voit Kulen, je sais plus comment il s'appelle, qui est juste au-dessus de notre nombre de tirs. Mince. On vient de diminuer, d'ailleurs. Inutilement. Voilà. Ok, alors il faut que je monte, hein, vraisemblablement. Hop là. Hop là. Ça passe. J'ai eu très très peur. Alors, on continue. Voilà. On enchaîne par là-bas où on a une nouvelle étiquette. Pour un sac qu'on ne voit pour l'instant pas. Si, il est tout en haut. Ouah, là. Pas trop près. Hop, on récupère. Toutes les bribes comme d'habitude encore une fois. Ah oui, je m'en fous, je peux pas tomber de toute façon. Mais c'est embêtant quand même parce qu'il faut que je recommence toutes ces plateformes. Alors, ceci dit, j'espère bien entendu que vous allez très très bien. Moi forcément oui. J'ai envie de dire, dès que je tourne, c'est que je vais bien. Puis il n'y a pas de raison que ça aille mal de toute manière. Et donc vous aussi ça va très très bien. Alors, on continue, là c'est bon. Donc on va réunir, oula, attention, on va réunir le sac qui chouigne avec l'étiquette. Voilà, on passe la cinématique, hein. Juste c'est un peu long et pas très intéressant. Oh, on a failli se faire avoir. Ok, je perds encore un coup. Voilà, ok. Donc de ce côté-là, je crois qu'on a à peu près tout fait. Aïe, méchant bonhomme. Ok, on regagne de la vie juste à côté, c'est parfait. Hop, il y a un peu d'action, mine de rien, là, dans ce niveau. Alors là, il y a un truc qu'on ne connaît pas. Profondeur massiviale de projection déjà atteinte. Je perds beaucoup de vie parce que je ne tue pas les gens qu'il faut. Attention!
Alors, j'ai réussi l'objectif. Ok, un premier objectif, d'accord. Donc, en fait, de quoi qu'il advienne, je vais... Mince. Bon, bah, c'est bon, je ne tombe pas. J'oublie à chaque fois, c'est vrai que c'est un peu perturbant, cette espèce de système de 3D, de véritable 3D, parce qu'on se balade sur un cube comme ça, avec le décor qui s'enverse, et il faut que je pense à les éliminer, parce que... Voilà. C'est un petit peu embêtant de se faire frapper toutes les 2 secondes. Voilà. Alors, où est mon objectif? Il est juste ici. Donc, c'est par là où on était passé tout à l'heure. Hop, ça passe. C'est bon. Tout se passe bien. Ok. Deuxième atteint. Est-ce que ça va suffire? Bien. Bon, tu les as tous eus. Ça a l'air d'être bon. Et ce n'est pas fini apparemment. On s'est donc fait avoir. Alors, bon, encore un petit niveau qui a l'air un peu plus simple celui-ci. Enfin bon, on va pas trop s'avancer. Allez. Oh non, on répare une fuite et une autre apparaît. Bon, allez, il faut aussi s'occuper de celle-là. J'adore la façon dont il rentre dans son propre esprit pour nous parler. Je trouve ça juste fun. Alors, hop, on récupère un petit peu tout ce qu'il nous faut. Hop là, est-ce qu'on va réussir dans ce niveau à recueillir... Oh punaise. Ah, ils ont l'air plus gros ceux-ci, non? Oui, si, ils sont plus gros. Alors là, ça fait un petit peu peur. Mince. D'accord, donc ça bouge. Si je ne bouge pas... Non, oui, non, peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Oula. Ah. Re tout le monde, excusez-moi, le jeu a planté, donc forcément... c'était pas bien pratique et la vidéo a forcément coupé comme vous pouvez vous en douter. Du coup j'ai dû refaire un petit peu tout le début du niveau de tout ce qu'on avait fait. Et je vous reprends juste ici, donc comme ça vous allez refaire ce qu'on a déjà fait ensemble. Mais c'est pas trop grave. Le plus important c'est qu'on est... Mince. Je fais n'importe quoi, il me fait un petit peu peur ce bonhomme. Et j'arrive pas à le viser en plus. Ah voilà, ok, il faut bien deux coups, deux bons coups pour réussir à s'en défaire. Waouh. Alors, il faut que j'aille où? Il faut que j'aille là-bas, ok. Bon, écoutez, on va d'abord y aller, on va pas faire comme la dernière fois. Waouh, j'ai vraiment eu peur pour le coup. Voilà, ok, donc ça c'est fait. Alors, où est-ce qu'elle va réapparaître maintenant? Où est-ce qu'elle va réapparaître? Alors, excusez-moi, 2 petites secondes. Hop là. Juste. Une petite. Voilà, excusez-moi. Alors, donc, on va tâcher d'atteindre le second qui est pas bien loin. Ça devrait être jouable. Voilà, même d'ici. Parfait. Ça a l'air d'être. Voilà. Ça commence à devenir un petit peu difficile. Alors, on ne s'effraie pas, on est courageux. Allez, c'est parti. Alors, on continue. Oula, ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, ça fait peur. Ok, on a dû louper le bagage précédent du coup. Mince, c'est un petit peu dommage. Écoutez, c'est pas grave. On s'en sortira quand même. Ok, ça c'était gratuit. Hop. Ouh, je me fais tirer dessus. Il faudrait peut-être que je commence à monter à l'échelle ici. Hop. On est parti. Alors on arrive sur une petite plateforme.
Et me revoilà encore une fois, je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui se passe avec le jeu, ça me fait deux fois qu'il plante. Bon, écoutez, on essaie de faire avec, encore une fois j'ai dû me retaper tout ce qu'on avait fait depuis le début de la vidéo, mais c'est pas trop grave, cette fois j'ai fait des sauvegardes au cas où. Ça recommence. Wow, wow, wow. Il n'y avait pas autant de monde tout à l'heure. Donc c'est bon. À savoir que j'ai réussi à récupérer le bagage du passage précédent que j'avais loupé, justement. Donc c'était très très bête hein, à voir. Il était juste à côté de l'endroit où on était quand on a terminé le niveau. Donc c'est juste qu'on n'a pas eu de chance. Entre guillemets. Donc là on recommence. Alors c'est parti, c'est parti. On va essayer de s'en sortir cette fois. J'aimerais bien. Hop là, attention. On ne tombe pas. Oh là là. Faudrait faire attention à ne pas se faire tuer trop facilement. Ce serait cool. Voilà. Donc ça en fait déjà un en moins. L'autre qui est en haut. Et il faut qu'on trouve également le bagage de ce niveau. Qui est juste là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Wow, wow, wow. Oh là, waouh, 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 wow. Faut que je fasse très attention, j'ai beaucoup de vie. Non. Oh mince. Au moment où j'y arrivais. Alors à chaque fois que tu perds, c'est la première fois, ça se dit qu'on se fait un game over. Alors à chaque fois que tu perds l'ensemble de ta santé mentale, tu perds une couche de ta projection astrale. Lorsque toutes les couches ont disparu, tu n'es plus en mesure de maintenir la projection dans le monde mental et tu es éjecté vers le monde réel. Ok. Récupère les marqueurs qu'on avait vu tout à l'heure d'ailleurs. On avait eu un au début de l'épisode. Donc pour remplacer les couches et les marqueurs ok, ça marche. Bon écoutez, on va faire un peu plus attention. Là j'ai pas été très attentif. C'est entièrement ma faute. C'est pas tant la difficulté, je ne crois pas. C'est juste que j'ai été très peu attentif. Alors, oula, attention, parce que ça fait très très mal. Hop, on va récupérer. Waouh, c'est pas passé loin. On va récupérer le bagage qui se trouve ici. Et voilà. Je crois d'ailleurs qu'on a du coup tous les bagages du niveau. On va vérifier ça tout de suite après. Il me semble que c'est ici. Non, il en manque encore. Hein. On peut le voir ici. Il en manque encore. Hein. Donc, on n'a donc pas fini d'en baver. Waouh, waouh, waouh. Et... Ok, je crus que je pouvais slider dessus. Apparemment non. Je sais à peu près où je vais pouvoir aller, je pense. Je vais aller dans le sens opposé, juste derrière moi, là, dans mon dos. Je pense qu'il faut que je grimpe là-dessus. Ouais, très exactement. C'est ça qu'il faut faire. Alors attention, on refait pas la gaffe de tout à l'heure. Et on termine ce petit passage. Voilà. Je pense que ce n'est pas fini. Effectivement, ce n'est pas fini. Oulala. Oulala. C'est un passage bien effrayant qu'on a là. Et le dernier bagage, donc, qui va se trouver ici. Très très bien. Alors, on va... Cette fois, excusez-moi, je fais une sauvegarde devant vous. J'aime pas bien faire ça, mais c'est au cas où le jeu plante à nouveau. Voilà. Donc comme ça, on est sûr. Ok. Donc c'est parti. On n'a pas peur. Il y a des flammes et tout. Mais on est courageux, hein? Non? On n'est pas courageux? Ok, j'attendais une réponse de votre part et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tout seul. Alors. Oui, la schizophrénie, t'en as. Que je pratique. Je sais pas pourquoi j'ai dit un arbre, je dis n'importe quoi. Et là, ça devient très, 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 très difficile. Et je m'en suis sorti avec brio. J'ai envie de dire, j'ai pas trop perdu de vue. Bien sûr, on m'a dit ça. J'en repère. Écoutez, c'est pas trop grave. Ok, le bagage est ici. On a tous les bagages. On a tous les bagages. Et ça, c'est assez exceptionnel pour m'applaudir, les amis. Si vous pouvez m'applaudir dans les commentaires, genre des petits clap, clap, clap. Ce serait très sympathique. Et là, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors, je redescends parce que là, je suis très, 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 très mal niveau santé, je crois. Il y en a un petit peu qui trotte par là. On va la récupérer, voilà. Parce que là, ils sont très nombreux et très embêtants. Voilà. C'est dit. Hop. Petit souci de caméra, mais c'est moi qui la positionne mal, hein. Vous inquiétez pas. Hop, voilà.
flamme devant les yeux et des ennemis aussi. Accessoirement. Alors là, on a un truc qu'on pouvait récupérer. Voilà, une couche de projection astrale qui est rétablie. Donc c'est bon. La mort qu'on a eue tout à l'heure est, est remboursée, si je puis dire. Oui, je sais pas si on peut vraiment dire ça. Et c'est n'importe quoi. Il se passe vraiment n'importe quoi. C'est bon. J'ai eu ça le y est. Premier. J'ai complètement fermé okay. toutes les sorties de senseur de Sacha. Je suis pressé de le lui dire. Jeune homme, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Oh ça oui. Que tirer sur des trucs est marrant et utile. Non, que si on perd le contrôle de son esprit, il est très dur de le reprendre. Oui, il faut contrôler ses pensées à 100% en permanence. Non, en fait, si on essaye de supprimer totalement les pensées indésirables, elles montent et finissent par exploser. Oh. Et... qu'est-ce qui arriverait si on bloquait complètement toutes les sorties des senseurs ? Eh bien, il y aurait une accumulation d'énergie de censure, et ça... finirait par... Cours, Rasputin, à toutes jambes. Oh, oh. Oh ! Ça, c'est un gros senseur. C'est moi qui t'ai engendré. Arrête-toi, je l'ordonne. Rasputin, l'heure est venue de mériter ton badge. Ok, on va pouvoir faire nos preuves. Parce que son attention est envoyée. Appuyez. Oh là là. Ok, j'ai rien compris, surtout qu'on est à la manette. Mais. Ah d'accord. Ok, ça devrait être jouable. Et re tout le monde, encore une fois, je suis désolé, très très gros souci là aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, je vais faire ce que je peux, pour m'en sortir, écoutez, je comprends pas du tout, enfin je m'en excuse, hein, vous en doutez que c'est pas volontaire, mais on essaie de faire avec, et j'essaie de faire de mon mieux, en plus, sachez que vous l'avez compris encore. Et à chaque fois, je dois refaire le niveau que je viens de faire avant, juste avant la sauvegarde. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est un petit peu embêtant quand même. Alors là, il manque un derrière. Waouh! Ok, 5 sur 5. Qu'est-ce que ça fait? Décolle-moi et repose-moi! Aïe! Excellent! Tu as fermé les vannes, il ne peut plus être alimenté. Maintenant, détruis-le. Ok. Ok, mais maintenant, il me jette des trucs. Ok, il regagne plus sa vie, donc c'est bien ce qu'on pensait. C'est plutôt pratique. Surtout que ces boules, elles roulent sur tout le long du cube. En fait, j'arrive pas à gérer à la fois les petits machins... Assez. Et le gros machin. Pour l'appeler comme il se doit. Et je commence à être très très mal niveau vie. Oh punaise. Ah mince. J'ai plus du tout de tir. Et je suis mort les amis. Ah mince. Bon écoutez. On en est où là du coup ok. Ok. Rien de bien grave. Où est-ce qu'il est? Rien. Enfin rien de bien grave. On est quand même mort. Mais ok, donc les petits on peut se les faire à la main. Hop là. Donc on esquive. Ok, c'est ça qui lâche les. Mince. Qui lâche les. Les petits senseurs. C'est ces grosses boules en fait. Je crois qu'ils sont dedans. Attention. Ah. Mince. Bah ça le fait bien rire. Utilise ta concentration, Rasputin. Cela améliorera ta précision. C'est ce et que je fais. T'aidera à esquiver les attaques. C'est ce que je fais. Alors pour les attaques, je sais pas si je le fais. Ok. Ok, d'accord. C'est plutôt cool. En fait, j'ai fait qu'esquiver, j'ai bourriné et ça a l'air d'avoir fonctionné. Bah voilà, c'était pas plus compliqué. Alors, que ça. C'est là qu'il y a un discours et que je passe à un autre cours ? Non. Tiens, voilà ton badge et qu'on ne parle plus jamais de ça. Et voici un nouveau badge. Oh yeah.
Eh bien voilà une bonne chose de faite. Voilà une bonne chose de faite, on a réussi à avoir tout ce qu'il nous fallait. Je veux tirer sur d'autres trucs. D'accord, d'accord, mais plus dans mon esprit. Oublions mon esprit un moment, si on retournait dans le tien, hein ? Approche-toi du tour mental quand tu seras prêt. Ok, donc nous sommes enfin sortis avec un nouveau badge en notre possession. Et un badge qui fait du bien. On a rempli pas mal d'objectifs, on a réussi à avoir tous les bagages de l'esprit de Sacha, en plus du souvenir. On a vaincu le boss en deux fois. La première fois, j'ai pas bien géré au niveau des esquives et je me faisais déborder par tous ces petits senseurs qui arrivaient sur moi. Mais néanmoins, on a réussi à comprendre, entre guillemets, la technique pour esquiver. Et effectivement, c'était très 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 facile. Une fois qu'on avait la technique pour esquiver, sachant qu'on peut tirer en même temps, en mode Lara Croft, comme ça, tac 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 tac. Bon, je gaspille mes tirs, mais c'était pour vous montrer. Du coup, c'était pas bien compliqué, c'était plutôt cool. Et puis, j'ai envie de vous dire, on va s'arrêter là pour cet épisode qui, ma foi, aura été difficile à tourner pour moi. J'avoue que j'y aurais passé pas loin d'une heure. Enfin bon, j'espère néanmoins qu'il vous aura plu. Je suis encore une fois désolé pour ces petits soucis techniques. Je vais voir ce que je peux faire si jamais il y a quelque chose à faire. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, tout simplement. En espérant que vous serez toujours là, vous pouvez bien entendu laisser un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, un commentaire pour partager, pour me dire ce qui n'allait pas, ce que vous voulez que je fasse de mieux, de moins bien, enfin j'en sais rien, n'importe quoi. Vous pouvez mettre n'importe quoi hein, dans les commentaires. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt tout le monde. Allez, salut à tous, c'était Naphtaline.